Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous fais donc cette petite vidéo qui fait suite à l'écriture. Je vous invite à aller voir le post précédent qui parle d'écriture. Et là, je parle de lecture. Alors, lecture, il m'a été posé une question. Et j'avais dit que je répondrais dans un post. Je réponds en vidéo, c'est encore mieux presque. Alors, comment lire? La question, c'était comment lire en un temps donné. Ça ressemble un petit peu à un devoir d'école. Ça me rappelle lorsque je faisais du soutien scolaire, ce que j'ai fait pendant 12 ans. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était aussi beaucoup de l'accompagnement scolaire. Mais en fait, la lecture, quand c'est facile pour des gens comme moi, c'est un entraînement. Je lis depuis que je pense j'ai commencé à apprendre à lire et je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de livres simultanément, beaucoup d'histoires simultanément. Je reviens, aujourd'hui j'ai évolué dans ma façon de lire, je relis certains livres que j'ai beaucoup aimés une deuxième fois, assez rapidement. Voilà, il y en a que je ne lis qu'une fois, il y en a qui partent dans les boîtes à livres. Donc, pour cette question scolaire, eh bien en fait, il y a une vision mathématique, toute mathématique. Et donc, je reviens sur l'entraînement, c'est que c'est comme l'écriture, plus vous écrivez et plus vous aurez envie et vous aurez cette habitude d'écrire. Et donc, plus vous lirez et plus vous aurez cette envie et cette habitude de lire. Donc, une première méthode mathématique, eh ben, c'est se dire, alors si c'est une contrainte scolaire, il y a un temps défini. Autrement, c'est déjà se donner son temps défini. Par exemple, je me donne un mois pour lire ce livre. Combien de jours dans un mois? 30, 31, 28, si c'est le mois de février qui approche à grands pas. Et prendre le nombre de pages du livre à lire divisé par le nombre de jours et ça vous donne le nombre de pages à lire par jour. Voilà, voilà.